Pasteur, il y a 5 commandements, comment nous y est. Mais si vous avez su, et Pasteur John pour nous faire, on a des réactions de ce type-là, on a des réactions de ce type-là, et faut qu'on ait bien sérieux. Monsieur contesté à l'Apocalypse 2, c'est le premier, il donnait un prophétique. À moins que monsieur ne soit pas prêt à la prophétie encore, à moins que monsieur ne soit pas prêt à la prophétie, un jour égale à une année. Et nous sommes sous base, nous faisons un calcul prophétique qui est lié aux adolats. Donc, monsieur ne conteste pas. Il m'a demandé qui t'a enseigné ces choses. Donc, c'est qu'on a mis ces bagailles, ça y est, il n'y a pas de biblique. Ni pour le monde de pied. Donc, moi, c'est que nous avons du pain sur la planche et dans ce sujet ça, pour nous répondre à monsieur. On ne peut pas nous pas. Good night. Pasteur, il y a 5 commandements. Comment nous y est? Monsieur Wapsu et Wapsu et Pasteur John pour nous faire soir. On a des réactions de ce type-là, on a des réactions de ce type-là. Et faut qu'on ait bien mis sérieux. Monsieur contesté à l'Apocalypse 2, c'est le premier, il donnait un prophétique. À moins que monsieur ne soit pas prêt à la prophétie encore, à moins que monsieur ne soit pas prêt à un principe, un jour égale à une année. Et nous sommes sous. Sous base, nous faisons un calcul prophétique qui est lié aux Sabdolas. Donc, nous sommes venus contester. Donc, il m'a demandé qui t'a enseigné ces choses. Donc, c'est qu'on a mis ces bagailles, ça y est. Il n'y a pas de biblique. Ni pour le monde de pied. Donc, moi, c'est que nous avons du pain sur la planche et dans ce sujet ça. Pour nous, on répond pas à nous. On dit, mais nous n'est pas. Good night. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Et comme dit pour maintenant, c'est sous recommandation ancien et frère Lévisa qui fait me passer voice. C'est lui qui autorise me passer. Bon, d'ailleurs, me dit merci. Me dit merci pour autorisation de moi. Me dit merci tout. Parce que grand groupe mon adventiste qui est conséquent. Qui honnête qui dehors. Et moi merci lui parce que lui même tout le bon travail a fait, te qu'on a fait dans la communauté, te gain chaîne ni tout. Dire te qu'on a travail. Mais à cause des temps, vous comprenez, il pas capable de fin sacrifier le temps, mais toujours là la travail dans la communauté, en cette église, grand dirigeant, chanteur, etc. Je remercie lui et c'est lui qui a autorisation pour ça. Si c'est une ancienne église, je vais faire un pacte ça. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de dire pour l'autre monde. Mais moi-même, je n'ai pas tant de leçons. Je n'ai réagi déjà longtemps. Parce que, ou qu'on parle de 1844 mal, ou qu'on parle de n'importe quoi mal, on n'a pas un problème. Mais le sabbat. Le sabbat est le sabbat de l'Éternel. Parce que le sabbat n'est pas pour Adventiste. Parce que même docteur Paul, il a fait qu'on fait référence avec un rabbin bien avec elle. Elle a la rabbin, le rabbin après les Torah, etc. Bon, bah, ben, dis plus mot.
Mais c'est lui-même qui dit bien un rabbin. Un rabbin est un rabbin. Un rabbin juif, qu'il dit. Un rabbin juif, pendant la veille là, par respect gain pour lui, il n'a jamais parlé sabbat mal devant rabbin. Parce qu'il connaît, le sabbat n'appartient pas à l'église adventiste. Le sabbat lui appartient à un peuple à part. D'ailleurs, Jean va commencer là avec doctoral, va commencer avec l'autre encore, c'est adventiste avec adventiste qui va le créer ensemble. Bref, on va parler de cette forme de sabbat. Le sabbat n'appartient pas à l'église adventiste. Ma réponse, c'est parce que c'est le sabbat. Mais c'était l'autre bagaille, je m'en fous. Parce que ça n'a pas intéressé, je n'ai pas dans l'autre bagaille. Mais puisque c'est le sabbat, il y a groupe qui n'a pas sabbat, pas dans l'écuménisme, il y a groupe qui n'a pas sabbat, qui pas dans cette question qui a fait là. Et entre groupe moun ki nan sabbat pa nan ekumenisme a sa ki nan sabbat ki nan ekumenisme pral gen konfrontasyon avè yo, c'est ensemble de bagay sa yo ki m ap rele la lèp et la pès. Lèm di la lèp et la pès, sa le di m di adventiste adventiste ki pral batay. M di la lèp et la pès son premier forme entre moun docteur Paul et docteur Apollos ki toujou ap gomen la, m te gata annonse sa et ou el vizib Sinaï. Et la lèp et la pès li pralé encore dans le futur. Jésus di mes divisions, bah venir comprendre entre papa, maman, petite, etc. Ça veut dire, mais c'est même bah ça, adventiste avec adventiste à vous. Depuis matin, mon paquet moun a parlé, mais je m'en fous là, je fais mon travail là. De la même manière que vous, moi aussi, je fais le mien. Et je n'ai pas de problème là. Maintenant, c'est un ancien d'église, c'est après l'autorisation de l'église. J'espère que vous êtes là. C'est après. Ouais. On est ancien, attendez bien. Monsieur contesté à l'occasion de cette première, une demi-heure prophétique. À moins que monsieur ne soit pas prêt dans la prophétie encore, à moins que monsieur ne soit pas prêt dans le principe, un jour égal à une année. Et nous sommes adversaires, sous base, nous faisons un calcul prophétique qui est lié au $100. Donc monsieur ne conteste pas. Donc il m'a demandé qui t'a enseigné ces choses. Donc c'est qu'on est à monsieur, ouais, bagaille ça, yo, il n'y a pas de lit, ni pour un bon de pied. Donc, parce que nous avons du pain sur la planche et dans ce sujet là pour nous répondre à lui. Bon Dieu, nous n'avons pas. Good night. Merci, ancien. Ça veut dire, si un ancien a dit ça, frère et soeur, comment on comprend ni pour l'autre monde? Ok? Un ancien de l'église, un dirigeant de l'église, ça veut dire, on ne même pas faire travail à chaque jour à Timon Piti, non? À Goumoun, ou pas qu'on ait importance de travail, moi. On l'a venu au monde et qu'on ait importance de travail, moi. Ou ancien l'église qui choqué après les sons. Bon, moi-même, c'est là le dîme, non. Je cherche parce qu'il dit, mais qui côté ma bienvenue? Les m'apprends de bâle. Après le matin, pendant le matin, je fais, oh. Je me saisis. Je connais monsieur qui parle des mauvais esprits de sabbat. Je cherche. Mais je ne pas de penser que c'est tout dernier bâle, je me dis, dernier limite, non. Pasteur, il y a 5 commandements. Monsieur, on a des rachats, nous c'est dit là, on a gagné c'est dit là, et il faut qu'on faut bien monsieur. Monsieur contesté à l'occasion de cette première, une demi-heure prophétique. À moins que monsieur ne soit pas prêt dans la prophétie encore, à moins que monsieur ne soit pas prêt dans le principe, un jour égal à une année. Et nous sommes adversaires, sous base, nous faisons un calcul prophétique qui est lié au $100. Donc, monsieur ne conteste pas. Donc, il m'a demandé qui t'a enseigné ces choses. Donc, c'est qu'on a mis ces ouais, bagaille ça, yo. Il n'y a pas biblique. Ni pour un bon de pied, yo. Donc, moi, c'est que nous avons du pain sur la planche et le sujet ça, pour nous répondre à lui. Bon Dieu, nous n'avons pas. Merci, ancien. Pourquoi nous entendez? Vous voyez l'importance du travail? C'est un appel ancien, en pressé, ça veut dire, parce qu'il connaît ce pasteur Adventiste, il y a un respect pour vous, il commence à. Des bagailles. Mais là, où est qui impact ça fait sur l'ancien? Pasteur, il y a 5 commandements, Monsieur, je suis et Pasteur John pour nous faire. On a des rachats, monsieur dit là, on a gagné, monsieur dit là. Et il faut qu'on. Faut pas qu'on tout bien,
une série. Monsieur contesté Apocalypse 2, verset 1er, il donne un prophétique. À moins que monsieur ne soit pas prêt dans la prophétie encore. À moins que monsieur ne soit pas prêt dans le principe. Un jour dans la une année. Oui. Et nous autres adventistes. Nous autres adventistes. Je page nous fait là son calcul prophétique qui est lié au Sandola. Monsieur il conteste. Donc il m'a dit qui t'a enseigné ces choses. Oui. C'est qu'on a mis ces ouais, bagaille ça y est. Il n'y a pas de biblique. Il prend le bouteau bien. Donc moi c'est que nous avons du pain sur la planche et dans ce sujet ça. Pour nous répondre à monsieur. Allez, ouais. Pas. Merci, ancien. Son monde qui compte Bible. Ouais, suivre expression. Nous autres, nous autres adventistes, nous avons dit. Oui, monsieur, on va suivre. On connaît la flash. Oui, on était bien posé. On a dit la chambre, monsieur, dit là. On a dit la chambre, dit là. Et faut qu'on. Ou t'en as un t'en as un ancien, qu'on y a dans l'autre. Sinon, d'oublier comment tu conduis le peuple y a dans le passé. Ou t'en as un ancien? Passez une bonne nuit. Je vais vous retendre l'ancien. Ou t'en as un autre? Ou est-ce différent ça? Je vais vous pile avec monsieur. Amen. Oui. Ça, là, en dans des ancien ça. Ok, mon nom ancien. Pour qui ça, l'amour de Dieu manifesté pour nous. Ou t'en as un ancien? Ex. Directeur de l'école Sabah, Sinaï. Vous entendez? Déblosa, 1844, Pabo, etc. Ça, c'est doué. On enseigne. Mon lot encore. Je ne sais pas comprendre le plan du SAD. Oui, oui. C'est là, c'est un jeu ça, que nous voulons être aussi. Pour ne pas penser que sans le Sabah, nous ne pouvons pas bien. Non seulement une bonne compréhension du plan du salut, et nous ne pouvons pas vivre vraiment dans ce plan. C'est là le problème. Deuxième paragraphe. Nous sommes là parce que Jésus nous a créés. Il est dit de l'adoration non seulement parce qu'il nous a créés, mais aussi parce qu'il nous a rachetés. La création et la rédemption sont au cœur de toute véritable adoration. Par conséquent, sabbat est vital pour comprendre le plan du salut. Et Jacques me dit, ah, c'est cette immense salle que nous avons fait pour que oui. Nous ne pas mettre. Ça, c'est ancien. Bon, on a passé. C'était Apocalypse 2, verset 1er, il donnait un prophétique. Oui. À moins que je ne sais pas prendre la prophétie encore, à moins que je ne dis pas qu'on a principe, un jour dans la une année. Okay. Et nous, advance nous échouons. Vous avez un calcul prophétique. Il a dit tout pour 1844 là, en 50 années. Il a dit c'est ouais, bagaille ça y est. Il a dit c'est caché en bas. Il a dit c'est du pain sur la planche. Oui, nous avons du pain sur la planche. Oui, pour nous voir une réponse à la mission. Il est clair? Merci, frère. Ok. Nous sommes dans l'ancien qu'on a mon pasteur. Vous entendez? Laissons avec honnêteté. Oui, oui. Ils sont en bas, mais ils sont habitués. Ils sont arrivés puis devant la montée. Cela, les juifs cherchaient encore.
encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père. Ce faisant, lui est découvert de son pardon. Il y a plein de gens de Israël qui étaient à la base de la mort. On l'accusait de violer le sabbat. Et deux, on l'accusait de se faire illégal du père. Mais pour qui les autres? Écris ça, oui, s'il vous plaît. Notez les balances, oui, s'il vous plaît. Ok? Les mêmes. Nous ne pouvons pas peine. Notez les balances, moi, s'il vous plaît. Notez ça, tout, s'il vous plaît. Notez. Un ancien de l'église. Très cultivé. Vous avez? Notez. Notez, c'est même question ça aussi à te poser dans les sons, hein? C'est même ensemble tout bail yo, c'est même la sous sa souti, c'est même problème dans cap bail dans l'église, c'est même problème dans que 1044 là aussi à. Donc bon ben c'est s'il vous plaît, c'est même tout ensemble des bagages yo, pas un problème, c'est on sait très pas un problème, mais on voulait montrer soucio n'importe si bagage cap bail problème. Même yon nous dit même yon c'est Sophie dit moi me critiquer mais J'ai contesté à l'Apocalypse 2, c'est premier, il devient un prophétique. Notez ancien. Après, c'est pas prêt dans la prophétie encore. Après, il n'y a pas fait pas prêt dans le principe. Un jeu égal à une année. Mm-hmm. Et nous autres adventistes. Nous autres adventistes. Vous entendez? On s'est sur ça. Parce qu'il y a un esprit religieux avec le mauvais esprit qui est lié pour ça. Ça va en soi. Et nous avons le sabbat et le prendre. Je tiens à l'église que le plaisir de participer à la parole de Dieu, c'est le commandement que je tiens à l'église. Mais, obsession sabbatique, ça que nous avons. Vous devez être écrit, obsession sabbatique. Obsession sabbatique, ça que nous avons. C'est pas mal de mots de grâce pour nous délivrer la septième côté de la mer. Le sabbat n'est pas plus grand que Jésus. Mais tout ça encore. Tu peux être sauvé sans observer le sabbat. Mais tu ne peux pas être sauvé sans Jésus. Jamais. Ça doit être clair dans ta tête, mon frère. Tu peux être sauvé sans l'observation du sabbat, mais tu ne peux pas être sauvé sans Jésus. On va monter nous. Assois, vous m'avez piqué là. Assois, on va monter nous côté obsession sabbatique pour être tellement loin. Et on sait sur ça que guerre, nous devons, au lieu que nous encourager pour nous servir ça, qu'à pousser pour nous servir ça. Nous tellement à loin de l'obsession sabbatique, nous prenons Apocalypse 8, verset 1, qui parlait du silence de demi-heure, pour nous dire pas des mondes qui a monté dans le ciel sans observer le sabbat. Où est-ce que tu as trouvé cette chose, mon frère? Où est-ce que tu as trouvé ces bêtises? Qui t'a dans cette chose? Qui t'a pensé ces bêtises que tu répètes? Sur base, nous faisons un calcul prophétique lié au Sandola. Nous sommes contestés. Nous demandons qui t'a enseigné ces choses. Nous sommes connus à M. Qui t'a enseigné ces choses? Nous prenons Apocalypse chapitre 8. Côté elle dit comme ça. Apocalypse chapitre 8. On a dit Apocalypse chapitre 8. Il dit comme ça, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et nous interprétons, c'est le temps que nous prenons pour voyager de la terre, pour aller au ciel, en espace de 7 jours, et dans l'espace de 7 jours, ça, tout le monde qui va être dans le sabbat sur la terre, a obligé de observer le sabbat dans les airs, avant de rentrer dans le ciel. Mais vous êtes trois là, vous êtes là. Qui vous a enseigné cette bêtise? Demandez qui t'a enseigné ces choses. C'est qu'on a mis ces ouais, bagay sa yo, yo pas biblique. Ni point de pied. Donc, moi, c'est que nous avons chupé sur la planche et le sujet ça, pour nous, on calcul prophétique qui est lié au Sandola. Donc, nous sommes contestés. Donc, demandez qui t'a enseigné ces choses. C'est qu'on a mis ces ouais, bagay sa yo, il n'y a pas de biblique. Sans Jésus.
soi à bon combat, mais piquer là. À ce moment-là, nous avons une obsession sabbatique pour aller tellement loin. Et l'obsession, ça peut gagner. Nous devons, au lieu que nous encourager pour nous servir, ça va être capoussé pour nous servir. Nous sommes tellement à loin de l'obsession sabbatique, nous. Nous prenons Apocalypse 8, verset 1, qui parlait du silence de demi-heure. Pour nous dire pas des monde qui a monté dans le ciel sans observer le sabbat. Où est-ce que tu as trouvé cette chose, mon frère? Où est-ce que tu as trouvé cette bêtise? Qui t'a pensé cette chose? Qui t'a pensé cette bêtise que tu répètes? Ouais, bagaille ça, yo. Yo pas biblique. Ni pour un bon de pied. Donc, parce que nous avons. Et nous, nous, sous page, nous faisons un calcul prophétique qui est lié aux Abdullah. Donc, M. Limni conteste. Donc, il m'a dit qui t'a enseigné ces choses. Donc, c'est qu'on a mis ces ouais, bagay sa yo, et pas biblique, ni pour un monde au pied. Donc, parce que nous avons du pain sur la planche et dans ce sujet ça, pour nous répondre à M. Bon, Jimmy, nous n'est pas. Good night. Qui t'a enseigné ces choses? Nous prenons. Nous prenons Apocalypse chapitre 8. Quand elle dit comme ça, Apocalypse chapitre 8. On a dit Apocalypse chapitre 8. Il dit comme ça, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et nous interprétons, c'est le temps que nous prenons pour voyager de la terre, pour aller au ciel, en espace de 7 jours. Et même l'espace 7 jours, ça, tout le monde qui parle d'être observé ça va sur la terre, a obligé d'observer ça va dans les airs, avant de rentrer dans le ciel. Mais vous êtes droit là, vous êtes là. Qui vous a enseigné cette bêtise? Le sabbat est clair, c'est un commandement de la loi. C'est le 4e commandement de la loi. C'est clair. Souviens-toi du jour du repos pour le sentir. Mais place nous par l'IA, il n'y a pas ça. Texte NBA sur l'IA là, le scandalisant. The Sabbath is vital to understand the plan of salvation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas besoin de comprendre le sabbat pour comprendre le plan du salut. Bah, je te dis à ça, comment nous y a. Monsieur Wapsu et Pasteur John pour nous faire. On a des rachats, nous c'est dit là, on a gagné, c'est dit là. Et faut pas qu'on oublie, monsieur. Monsieur contesté à l'Apocalypse, je suis le premier, il donne un prophétique. À moins que monsieur ne soit pas prêt dans la prophétie encore, à moins que monsieur ne soit pas prêt dans le principe, un jour dans la une année. Et nous, sous base, nous faisons un calcul prophétique qui est lié au Sandola. Donc, monsieur Limni conteste. Donc, il m'a dit qui t'a enseigné ces choses. Donc, c'est qu'on a mis ces ouais, bagaille ça yo, il n'y a pas biblique, ni pour un monde au pied. Donc, moi, c'est que nous avons du pain sur la planche et dans ce sujet ça, pour nous répondre à monsieur. Bon, Jimmy, nous n'est pas. Good night.